prenons nos Bibles, nous sommes dans une dynamique, nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Et nous croyons ensemble que le Seigneur est vivant et que notre âme est vivante. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous. Nous sommes en train de comprendre une chose. Nous avons compris depuis dimanche que connaître Dieu nous évitera certainement de tomber dans l'humiliation ou la confusion ou la honte. Très important. Amen. On fait tout ça. Vous savez, tout ça, c'est le direct. Donc, si nous ne connaissons pas le Seigneur, nous allons avoir toutes sortes de confusions, toutes sortes d'humiliation et certainement, levons la tête s'il vous plaît, nous allons dire que ce sont les génies, les sorciers, les ennemis peut-être de notre vie, mais en vérité, la Bible déclare que mon peuple périt, mon peuple meurt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, l'épignoxis, la connaissance qui est concrète, qui est précise, qui est totale, c'est ça l'épignoxis. Donc on a vu l'histoire de qui? On a vu l'histoire de David avec Goliath. On a compris qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais ce petit rappel pour depuis dimanche jusqu'à maintenant, pour que ceux qui nous prennent en marche comprennent. Donc on a compris que David avait un problème avec un certain Goliath quand il est arrivé sur le champ de bataille, parce que pendant 40 jours, la Bible dit que le peuple d'Israël était là avec leur roi à la tête, un certain Saül était à la tête d'Israël. Et puis de l'autre côté, il y avait un certain Goliath, ce Philistin que David a nommé un incirconcis. Il était de l'autre côté. Et il défiait toute l'armée d'Israël. Et cela depuis 40 jours. Et pourquoi? Parce que, en vérité, ces gens, le peuple d'Israël, n'avaient pas foi en leur Dieu et n'avaient pas foi dans les promesses de Dieu. Voyez, frères et sœurs, je rappelle toutes ces choses pour que nous comprenions très bien ce thème central. Un homme peut avoir la révélation de Dieu, peut avoir reçu les promesses de Dieu, la prophétie. Mais je vous ai dit que la prophétie n'est pas absolue. Ça veut dire que la prophétie ne s'accomplit pas bon gré, mal gré. Non, c'est ce que beaucoup ont reçu comme enseignement. Mais ce n'est pas biblique. En Deutéronome chapitre 28, ceux qui prennent note, la Bible dit, si tu obéis, pas la parole, mais si tu obéis à la voix de l'Éternel que tu entends aujourd'hui, Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Ça veut dire quoi? Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir. La parole de Dieu, je l'ai dit plus d'une fois, la parole de Dieu diffère de la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel s'adresse à un individu. Mais la parole de l'Éternel est globale, c'est général. C'est pourquoi un homme, voyez, regardez, la plus grande attaque qu'un chrétien né de nouveau peut avoir, vient de la parole de Dieu. Je vais vous expliquer. Quand Jésus est venu, l'arme que Satan a utilisée pour attaquer Jésus, c'est la parole de Dieu mal orientée. Quand la parole de Dieu est mal orientée, est orientée pas selon la voix du Seigneur, cette parole devient un instrument d'attaque. Donc Satan peut utiliser la parole pour te perdre, comme beaucoup de faux prophètes utilisent la parole de Dieu pour perdre le peuple. Il y a une chose que nous devons comprendre, frères et sœurs. Nous devons tous apprendre à connaître notre Dieu. J'ai dit à connaître notre Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Donc si nous n'arrivons pas à connaître Dieu, nous n'allons pas connaître sa voix. Parce que, vous savez, laissez-moi vous montrer un exemple.
Je vais prendre deux personnes. Pasteur Bou, bien, pasteur, bienvenue, venez. Regardez. Je vais vous montrer que la voie diffère des actes. Venez, entrez là. Entrez là. Entrez, allez-y très vite. Arrêtez-vous au bon milieu là. Et, un peu là-bas. Tapez de l'autre côté. Un tape. Non, tape avec ta main pour qu'on entende ici. Tape fort. Tape le mur là. Est-ce que vous savez qui tape là? Je vous pose la question, répondez-moi. Vous savez qui est en train de taper? Vous savez qui est en train de taper actuellement? Mais vous avez vu deux personnes rentrer, non? Mais est-ce que vous savez qui tape actuellement? Tapez encore. Façon, vous voyez qui tape fort là. Qui est en train de taper comme ça? Vous pouvez discerner qui tape là. À moins que tu sois un sorcier. Maintenant, parmi vous, enlève ton masque. Toi aussi, tu enlèves ton masque. Oui. Et puis, tu dis quelque chose. Est-ce que quelqu'un là-bas peut crier? Hein? Un d'entre vous, toi, tu cries déjà. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Vous qui connaissez les deux qui sont rentrés, qui vient de parler là? Comment vous avez su que c'est Pasteur Brou, c'est pas? Et c'est pourquoi Dieu, il est reconnu, pas simplement par la parole, mais par sa voix. Et si tu, voyez, si nous voulons déceler qui est en train de taper, depuis il tape, c'est pourquoi les bruits qui se font, les acrobaties et autres, ne révèlent pas forcément Dieu. Quand il tapait là, tu savais qui tapait? Quand les gens tombent en transe, ils sont guéris, ils disent « Je suis ici, je suis dans ton village. » Est-ce que tu peux savoir qui est en train de faire tout ça? C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous conduit à la voix de Dieu. Et la voix de Dieu nous ramène à la parole de Dieu. Si quelqu'un dit « Dieu a dit » et que ce qu'il dit n'est pas en conformité avec la parole écrite, rejetez sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est pourquoi, regardez, il faut éviter la honte, il faut éviter la confusion. Ce n'est pas parce qu'un homme a rêvé et la chose s'est accomplie que la source de ce qu'il a vu là vient de Dieu. J'ai dit ça ici hier. Vous allez voir, c'est dans l'église seulement qu'on voit des moutons faire quoi? Prendre des renseignements auprès de d'autres moutons. Dans la bergerie des êtres humains, les moutons, ils sont conduits et dirigés et se renseignent auprès du berger. Mais c'est dans l'église qu'on voit que les moutons marchent ensemble et puis les moutons se prennent des renseignements. Regarde, tu pries avec une soeur, tu pries avec un frère, vous êtes dans un petit groupe de prière. Mais si le monsieur là dit que le don qui manifeste vient de Dieu, je vous ai révélé hier, ceux qui étaient là, à la prière de midi, que l'or n'a pas peur du feu. Si ton frère l'a dit, le don qui manifeste vient de Dieu, prenez-le, allez éprouver ça. Il ne va pas avoir peur. Quelqu'un m'entend? C'est capital. Donc, ce que nous cherchons maintenant, ce n'est pas qui est-ce qui est tombé, qui n'a pas... Non, c'est bon. Mais l'essentiel, est-ce que nous connaissons ce Dieu? Et si tu le connais, tu dois connaître sa parole. Et si tu connais sa parole, tu connaîtras sa voix. Parce que c'est de sa voix que sortira quoi? L'établissement, sortira la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et je vous avais promis quelque chose. Et tout à l'heure, à midi, nous avons lu Matthieu chapitre 5, verset 44, où Dieu dit, bénissez qui? Bénissez. Et c'est pourquoi, voyez, le problème ici, levez la tête. Nous sommes en train de voir qu'il faut connaître Dieu. Et quand on apprend à connaître Dieu, il y a certains principes divins que tu vas déceler. Et si tu ne connais pas ce Dieu,
tu vas te créer des ennuis inutiles. C'est-à-dire, parce que toi, tu ne connais pas ce Dieu. Dimanche, j'ai expliqué ici, dans Job chapitre 2, on a vu, lève la tête quand on dit ces choses. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pendant que Job était en train d'adorer, en train de servir, en train de faire tout, en train même de faire des sacrifices, on comprend quoi? On voit que Dieu, en haut là-bas, avait une réunion, vrai ou faux? Vrai ou faux? Il avait réunion avec les fils de Dieu. Et la Bible dit que Satan veut aussi. Ça vous a choqué quand je vous ai expliqué, non? Normalement, bon Dieu, son ennemi juré, lui qui mélange toutes ses affaires, c'est qui? Si tu n'as pas peur, si tu as peur, tais-toi. Quand on dit son nom, tu sais qu'il va te frapper à la sortie, tais-toi. Il dit, son ennemi juré, c'est qui? Même quand il parle, d'autres ne peuvent pas dire son nom. J'ai dit, quand Dieu a créé le monde, lui qui est venu mettre le désordre là, c'est qui? Lui qui veut, s'il a la possibilité, va tuer Dieu lui-même là. Il s'appelle comment? Donc celui que Dieu est de tout son cœur, c'est qui? Et celui qui est Dieu de tout son cœur, c'est qui? Maintenant, toi, bon Dieu, tu as réuni avec tes fils. Voilà quelqu'un, s'il t'attrape, il te tue. Et vient. Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois le attraper, finir avec lui. Ou bien. Mais il le laisse prendre part à la réunion. Il dit, c'est quoi ça? Non, je ne t'entends pas. Mais c'est parce que tu n'as rien compris. C'est pourquoi des gens te bernent, ils t'escroquent, ils violent d'autres. Parce que le Dieu, là, tu ne le connais pas. Pendant que toi, tu es en train de mettre le feu dans le ventre de Satan, il est en train de causer à Dieu. Tu vois ta cécité spirituelle? Et pourtant, Job avait des problèmes ici. Oh Seigneur, le feu, je purifie Satan et tous les démons, je purifie Satan. Satan même, tu le vois où et tu vois ses fesses où pour le purifier. Non, ça ne fait pas rire, ça ne fait pas rire. C'est les bêtises dans lesquelles on plane là, c'est ce que je suis en train d'exposer. Bon Dieu en train de... Joue quand même, il demande, oui, tu es quitté où? Ça c'est à son ami, on demande des trucs comme ça. Ça ne vous a pas énervé dimanche quand je vous ai dit ça? Mais c'est pas que tu ne connais pas Dieu. Si tu le connais, tu vas connaître ses voix. Et si tu connais ses voix, tu vas entendre sa voix. Sa voix dont je parle là, ses voix là, ça c'est V-O-I-E, voix, chemin. Et puis quand tu vas connaître ce chemin, tu vas connaître sa voix avec I à la fin. Et quand tu le connais, tu ne vas pas risquer ta vie. Tu ne vas pas perdre ton temps. Tu ne vas pas être humilié cadeau. Je vous ai dit encore que Jésus est venu sur terre, Matthieu chapitre 4, on voit que le même Satan là, il vient encore. Le même Dieu qu'il a vu en haut, il est venu sous forme humaine, il vient encore, il cause avec lui. Jusqu'à même les deux séchants, les versets, il est écrit, l'autre dit c'est écrit, il est écrit, l'autre dit c'est écrit. Mais toi Jésus, tu es né, lui-même qui était bébé, il voulait te tuer. Si tu as grandi, que l'esprit est sur toi, que tu l'as vu, tu fais quoi? Hein? Il a égorgé? Les purigeurs de démons, Jésus l'a égorgé. Tu vois pas où, tu vois pas ton petitesse, la petitesse d'esprit là. Jésus cause à lui, quand il sort, il s'en va. Diable, on doit le lier, envoyer feu sur lui. Le problème, faut pas te préoccuper de Satan. Parce que si tu te préoccupes de Satan, tu vas être humilié, tu vas être honni. Tu vas être confus. Et ce que tu dois faire, c'est de chercher à suivre le Seigneur Jésus pas dans les pas. Ce n'est pas de chercher à connaître les parents de Satan, sa queue, où il a grandi, il a combien de cœurs et autres. Quand tu fais ça, tu vas devenir fou. Vous voyez, dans l'église, ceux qui sont les plus frustrés, c'est des gens qui cherchent tout sur Satan, mais ils ne savent rien de Jésus-Christ. C'est vrai ou bien c'est faux? Et les églises où on met l'accent sur les sorciers. Tu vois, il y a une soeur qui était assise derrière moi tout à l'heure. Elle respire fouin, fouin, fouin. Ça, ce n'est pas l'esprit de sorcellerie qui est en train de faire ça. Il y a des prières. J'ai dit ici, celui qui va faire ça, là, tu vas voir ce que je vais te montrer. Les prières bidons, bêtes, bêtes, où les gens attrapent les sorciers dedans. Viens attraper sorcier ici. Si tu es malade, tu vas voir ce que je vais te montrer.
Je ne ris pas à ces choses. Sorcier là, c'est pas il est sorcier qui est venu à l'église, non? Faut le laisser. C'est toi, il est venu manger. Mais laisse-le. Et souvent, ceux qu'on indique que de sorciers, souvent, ils ne sont pas sorciers. Parce que peut-être quelqu'un est vieille, elle marche avec une cam. La vieille là, pourquoi depuis elle ne meurt pas? Corona tue les gens là, mais la vieille là, elle ne meurt pas. Donc toi, ta maman ne va pas grandir. Tes parents ne vont pas grandir. Et dans les églises évangéliques, quand quelqu'un vieillit net, on dit qu'elle a 86. Elle ne meurt pas. Comment vous voulez qu'on ait longévité? Dis pardonne-moi, Seigneur. Ici, là, tu as vu sorcier, laisse-le. Parce que toi-même, ceux qui voient tous les sorciers, la Bible dit ceux du peuple qui connaîtront. Le qui? Qui connaîtront qui? Satan ou bien Dieu? Vous voyez pas les évangéliques? On a mis l'accent sur qui? Les sorciers et Satan. La preuve en est que même dites aux frères ici, même quand les chantres ici viennent, bon, ce matin, nous allons adorer le Seigneur. Ceux qui veulent prendre des positions, prenez, on va adorer. Qui moi? Les gens même chantent jusqu'à ils se regardent et disent on va changer, on va passer à la louange. Adoration, ils vont faire jusqu'à. Dis à quelqu'un, mon frère, est-ce qu'il y a des frères qui peuvent lever les mains pour adorer le Seigneur? Oh Seigneur Jésus, Seigneur, tu vois toi-même, Seigneur. Satan, je te commande maintenant. Il n'est pas habitué à adorer. Sa tête là est remplie de soupçons. De toute façon, lui-même, son bras là commence à faire mal. André, c'est Satan qui est venu tout de suite. Si tu as des pensées comme ça, comment tu vas avancer? Dis, pardonne-moi, Seigneur. Maintenant, allons à notre sujet. Donc, Dieu dit quoi? Pardonnez, bénissez. Permettez à ce que vos ennemis soient bénis. Bénissez-les. Ne maudissez. Voyez, quand tu connais Dieu, tu connais ses principes. Quand tu connais Dieu, tu aimes ses principes, ses voies, ses valeurs. Toi, tu es chrétien, responsable, diacre. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Mais tu es prêt à le maudire, à la maudire. Et ton ennemi, là tu vas l'éventrer. On nous a appris dans les écrits évangéliques de faire quoi? De maudire nos ennemis et de chercher à les tuer. Donc on fait retour à l'envoyeur. Seigneur, tue-le. Seigneur, tue-le. Seigneur, tue-le. Le message de l'évangile, Jésus dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. Et on a compris ce midi qu'en vérité, le Seigneur dit de pardonner. Pas et puis don. C'est pas ce que je vous ai expliqué. En deux expressions. Pas dans pardon. Parce que si tu ne pardonnes pas à ton ennemi, tu ne réussiras pas. Tu ne connaîtras pas la paix. Écoutez-moi très bien. Marié, pas marié. Aujourd'hui, tous sont dans des ennemis. Mais toi, tu ne peux pas avoir des ennemis. Les gens peuvent te constituer. Ils peuvent te voir en ennemi. Mais toi, tu ne dois pas les voir comme des ennemis. Quelqu'un peut te... Non, non, non. Quelqu'un peut te prendre comme son ennemi. Mais c'est lui qui souffre. Parce que j'ai dit, David, Joseph et tous ces hommes qui ont été persécutés à un certain moment, ils avaient des ennemis. Mais le Seigneur dit, bénissez-les. Pourquoi? Je l'ai expliqué à midi. Je rappelle encore. Parce qu'on va voir la suite logique. Et j'ai compris quoi? Comme je vous avais expliqué, que dans le mot pardon, il y a pas et puis don. Donc quelque chose, hein, frère, pasteur, bienvenue. Donne-moi le lotus là. Comme on l'a dit le matin, il a pris ça, il a tapé dans ma main. C'est pas ça, tape dans ma main avec. Voilà. Donc, il est venu, il m'a humilié. Il a tapé sur ma tête. Il a mis problème, il m'a humilié. Regarde ici, ce n'est pas le temps d'écrire. C'est la révélation là qui délivre les gens. Ce n'est pas vos voix que vous égosiez, criez jusqu'à ce que tu vas avoir hémorroïdes. Sortez de ces bêtises-là. Il y a quelqu'un qui s'est permis ici une fois d'être non révérend. Bon, ben moi je crois que souvent il faut faire, il faut qu'on rentre dans les affaires prophétiques pour que vraiment les gens tombent en transe. Il lui a dit, tu ferais mieux de partir avec ta femme. Tu es misérable. Moi, j'ai pris sur les pochettes. On distribue aux gens. Je marche, je peux dire aux gens, prenez le sable qui est passé en bas de ma chaussure. On a vu des gens guéris. Mais cela ne légitime pas un pasteur.
Ce qui fait asseoir les gens, c'est la parole. Or, dans la, mais comme tu ne comprends pas l'écriture, dans la parole est la puissance. Dieu, sa puissance est dans sa parole. C'est pour, mais les médicaments que tu avales, tu sais ce qu'il y a dedans? Mais c'est le comprimé, on te dit d'avaler. Mais tout est déjà localisé dans le comprimé. Ce que tu entends là, vient comme guérison pour te libérer, briser les chaînes. Quand tu pardonnes, tu pars et tu tombes. Ta part, c'est qu'il a jeté sur moi là. C'est devenu mon problème. Donc c'est ma part qui est là. Mais moi, ma part là, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais faire don à Dieu. Je prends ma part pour faire don. Pardon. Quand j'ai donné ça à Dieu, parce que c'est plus dangereux de mettre quelqu'un dans les mains du Seigneur que ces personnes-là soient dans tes mains. Il faut aller les confier à Dieu. C'est dans les mains du Seigneur que leur vie est en danger. Vrai ou faux? Donc, tu veux que tes ennemis restent dans ta main, toi tes mains la peuvent faire quoi? Même si tu as trop frappé, c'est deux coups. Or, Dieu, quand il se réveille, qu'il commence à frapper, c'est dur. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand tu as libéré, et que tu as libéré ton cœur, nettoyé ton cœur, et que tu as déposé ton problème qui était ta part, tu as donné ça à Dieu. Or, Dieu, son problème est que le péché ne reste pas impuni. Il va régler ça. Donc, toi, sois tranquille. Quelle histoire d'aller envoyer retour à l'envoyeur? Il faut laisser. Dieu sait ce qu'il va faire de retour là. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ça fait partie de la connaissance de Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu dans cette profondeur, tu vas vouloir te venger, mais toi, ta vengeance n'ira nulle part. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu faire son œuvre au temps opportun. Et c'est ce que Josué, à un certain moment, n'avait pas compris. Dieu dit à Josué, je vous dis ces choses, Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre, vas-y, Josué 1.5, Josué 1.3, vas-y, rapidement s'il te plaît. Pasteur, va un peu vite, on va gagner du temps. 1.3 et puis 1.5. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Nous avons dit qu'on allait aller dans la profondeur, vas-y. Je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Nous sommes en train de parler déjà ce soir, le sous-thème, notre sous-thème ce soir-là. Si vous prenez note, connaître Dieu et sa parole pour éviter la honte. Connaître Dieu et sa parole pour éviter la honte. Vous savez, la honte a amené certains à se suicider. Tout dernièrement au Canada, on nous a parlé de ce Togolais qui réside au Canada et qui a connu une honte et il n'a pas pu supporter la honte. Il avait deux enfants, sa femme a décidé un matin de le quitter. Il a pris son pistolet, il a tué ses deux enfants qui les mettent. Il s'est suicidé. Ça ne fait même pas encore une semaine. Vous savez, la honte, beaucoup sur la terre ne supportent pas la honte. Un enfant s'est étranglé tout dernièrement ici. Pourquoi? Parce que ses camarades ont commencé à se moquer de lui. Aujourd'hui, les gens peuvent supporter la maladie, mais la honte. Vous savez, quand Dieu veut t'humilier, il va t'humilier. Il y a des humiliations, tu ne t'en sors pas. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, c'est une promesse, c'est une parole, c'est une prophétie. Tu sors de la bouche de Dieu. Parce que la prophétie et la parole de Dieu, la voix de l'Éternel est transportée par trois entités différentes. Dieu lui-même transporte souvent sa parole. Dieu confie sa parole à un ange souvent. Dieu confie sa parole aussi à un homme. Quand Dieu parle à Abraham pour lui dire, quitte ta patrie, quitte, hein? Ce n'est pas un ange qui est venu parler, c'est Dieu lui-même. Quand un ange vient parler à Marie, il s'appelle Gabriel, Dieu donne, il dit à Marie, je suis l'ange qui se tient devant la face de l'Éternel. Il dit aussi à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui voulait douter, il dit, je me tiens devant Dieu. Donc, je ne suis pas venu de mon propre chef. Je suis venu avec la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'Élie n'avait pas compris. Quand Dieu lui a dit, vous savez, Dieu, si tu ne le connais pas, tu vas avoir honte. Hein? Bon Dieu lui dit au torrent de Kérit, j'ai ordonné, non, laisse corbeau, j'ai ordonné à une veuve de faire quoi?
Si bon Dieu a dit ça à son prophète, c'est qu'il a déjà parlé à la femme. Élie arrive là-bas, la femme n'a rien entendu, ni en rêve, ni en vision, ni en songe. Élie est étonné. Il dit, mais Dieu m'a dit que tu as... Normalement, j'arrive là, c'est de dire, bonne arrivée, assieds-toi, le repas est déjà préparé. Dieu t'a averti depuis 2 jours. Il dit, tu vas te suicider. Dieu là, tu ne le connais pas. D'expliquer? Explique ou bien explique pas? Je vais laisser si ça ne t'intéresse pas. Dieu. Et on dit, il est en toi, et toi tu trembles quand on dit les génies sont arrivés, les sorciers, les vaudous. Est-ce que tu le connais? Élie lui-même est troublé. Il dit, mais madame, bon Dieu qui m'a pas. Il m'a dit, il m'a dit qu'il t'a parlé. Dieu m'a pas. Il m'a dit, c'est lui qui m'a montré le chemin. Il m'a dit de te dire qu'il t'a parlé. Que mon repas, depuis matin, je n'aime pas les provocations. Si tu as caché le repas, je n'aime pas vraiment ces jeux comme ça. Mais la femme dit, monsieur, il n'y a pas de repas qui est cuit ici. Moi-même, j'ai ramassé 2 fagots, je vais préparer. Ce qui reste là, c'est de manger. Et puis, mon enfant et moi, on va mourir. Aïe, donc Dieu là, c'est quoi il dit comme ça? Si tu ne le connais pas, Dieu va t'humilier. Ce qu'il a dit à Élie là, Élie même n'a pas compris. Dieu a déposé sa parole dans l'esprit d'Élie. Et quand Élie va arriver là-bas, ce que Dieu ordonne à Élie, c'est que Élie ouvre sa bouche pour que la parole sorte pour communiquer à la femme. Donc quand Élie est arrivé, c'est là maintenant, parce que c'est comme Dieu l'a chargé, Dieu est sûr, mais lui-même ne sait pas. Il ne sait pas que quand il va arriver, quand il va ouvrir sa bouche, c'est pourquoi il est question d'ouvrir sa bouche. Regarde, il transportait la parole qui était au commencement, parce qu'en vérité, la parole existe avant la parole. Amen. Au commencement n'était pas autre chose que la parole qui était avec Dieu, et la parole était, en elle se trouve la vie, et cette vie est notre lumière. À ceux qui l'ont reçu, ils deviennent enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir. Donc quand Élie est arrivé, c'est quand il a ouvert sa bouche que Dieu sort la semence et communique au cœur de la femme. Alléluia. Josué, Dieu lui dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Je suis en train de dire, si tu ne connais pas Dieu et sa parole, quelle que soit ta bonne foi, peu importe ta capacité, ton intelligence, ta sagesse, tu vas échouer. Parce que la prophétie, ça peut vous choquer, elle n'est pas absolue. Toute prophétie est liée à des conditions. Ce n'est pas parce que Dieu a dit tu vas te marier que forcément tu vas te marier. Si tu ne marches pas selon ses principes. Il a dit aux enfants d'Israël, il dit, on a lu le matin, qu'est-ce qu'il dit par la bouche de Moïse? Il dit, je suis venu vous délivrer de l'Égypte pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Quand il parlait, ils étaient 2 millions ou 3 millions de personnes. Il les a fait sortir de l'Égypte. Mais pour ce qui est d'entrer dans la promesse, il n'a pas menti. J'ai dit, Dieu ne ment pas. Dieu ne se dédie pas. Je vais expliquer ça dimanche. Dieu ne fait que dire des nouvelles paroles. Et pourquoi? Parce que la prophétie là est liée à l'attitude de ton cœur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Sur les 2 millions, c'est seulement 2 de ceux qui sont sortis de l'Égypte. Dieu n'a pas menti. C'est les autres qui n'ont pas. Dieu n'est pas le Père Noël qui donne sans condition. Dieu, il est Dieu, l'Éternel des armées. S'il donne, dans Deutéronome 28 qu'on connaît, il dit, si tu obéis à la voix, pas à la parole. Parce que la voix, je vous explique et je répète, elle est individuelle. La parole est générale et la voix est individuelle.
La voix, c'est la parole que Dieu prend pour se révéler à toi. Et ça s'adresse à toi. Et si tu écoutes, parce que ici, là où on est assis, là, on est près de 200 personnes peut-être ce soir. Mais vous allez voir, la parole qui est en train de sortir devient voix dans l'oreille de chacun. Selon ses besoins et ses réalités. C'est pourquoi pendant que tu es en train d'entendre le message te touche. Mais ce qui te touche là, ce n'est pas ce qui touche ton voisin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et en sortant, nous tous on dit, ah, le message m'a fait du bien. Mais chacun n'a pas, l'autre fume. L'autre est dans fait de impudicité. Il dit, ah, le message m'a fait. Et pourtant, on n'a pas parlé des deux trucs. Mais ce que Dieu a envoyé à leur oreille là, toi tu ne sais pas. Ce qui n'est pas sorti d'ici là, Dieu prend ça, mais arrivé à côté de leur oreille, il dit tabac, 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 cigarette là, ce n'est pas bon, ça va pourrir ton poumon. Mais c'est lui seul qui entend ça. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. La peur vient de ce qu'on entend. Normalement, quand Dieu parle, on devrait être en train de danser. Mais la Bible dit, l'Éternel parla dans le jardin d'Éden et Adam et sa femme sont allés se cacher. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Et Dieu, je suis caché, j'ai entendu ta voix. Mais normalement, quand on entend voix, on court vers bon Dieu. Quelqu'un m'entend? Ça dépend de ce qui est en toi. C'est pour ça que quand tu entends, ce que tu entends qui sauve les gens, là, toi, quand tu entends, tu n'as pas la joie. Ça dépend de ce que tu as fait. Vas-y, vas-y, vas-y. 1-5, et puis maintenant on lit. Vas-y, on a 10 minutes. Vas-y, vas-y, vas-y. Connaître la parole, connaître Dieu, sa parole pour éviter la honte. Allons-y. Nul ne tiendra devant nul toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai je point. Je ne t'abandonnerai je point. Je ne t'abandonnerai. C'est Dieu qui dit. Regarde, ça c'est la prophétie. Dieu lui-même, il n'a pas envoyé un ange, c'est lui-même qui parle. Et c'est ça qui fait que les gens mettent bâche pour danser. Le Seigneur est bon, il est bon, Dieu est bon, le Seigneur est bon. Il m'a donné 3 prophéties. Quand le prophète de Dieu m'a vu, il m'a dit le nom de mon papa, il a dit le nom de ma maman, il a dit mon nom. Il a dit aussi le nom de la rivière qui part derrière notre village. Il a dit ça, c'est l'homme de Dieu qui est là comme ça. Et il m'a dit, je vais devenir grand dans ce pays. Il dit au Seigneur, je possède. Pour Dieu, là, ça vient de Dieu lui-même. Il a dit à ce petit là, Josué, ton patron est mort. Je t'annonce que tout lieu que ton pied va toucher, il y a un sol, n'importe quel sol ton pied touche, je te donne ça. Deuxième prophétie. Personne sur cette terre ne tiendra devant toi, quelle que soit sa forme. Sa corpulence, il vient, tu le terrasses. Ils viennent par un seul chemin. Comme j'ai expliqué dimanche, tes ennemis viennent par un seul chemin. On ne sait pas ce qu'ils ont vu. Normalement, il n'y a pas 6 chemins. Il n'y en a pas 7. Il y a un seul. Mais eux-mêmes, ils ont créé 6 chemins. Oh! Il y a des choses que tes ennemis vont voir dans ta vie. Toi-même, tu ne vois pas. Hein? Même dans ta faiblesse, il y a des choses que les sorciers voient. Il casse tout, c'est-à-dire il ne sait pas où il va passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais toi-même, quand tu te regardes, tu dis, mais actuellement, madame ma faiblesse, je ne sais même pas. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Parce que ce que le Tout-Puissant, parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc c'est celui qui est en toi là que les sorciers voient. Ce n'est pas ta corpulence. Ce n'est pas ton visage. Ce n'est pas ta maigreur là. Ce n'est pas ça qu'il regarde. Il regarde dans ton monde invisible. Or, dans le monde invisible, ce n'est pas toi en voie, c'est le Christ. Josué, allons-y, lis maintenant, vas-y vite. Josué chapitre, vas-y, 6, 27. Bon, lis à partir du verset 7 en même temps pour gagner du temps. 6, 27, on a vu que Josué était honoré autour, allons-y. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Josué chapitre 7, verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï. Vas-y vite, pasteur. Qui est près de Bethaven, à l'orient de Bethel. Il leur dit,
Montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Vas-y. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Il est quoi? Inutile de faire marcher tout le peuple. Il est quoi? Voilà un orgueilleux. Vous savez, quand Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il te... Vous savez, ce que tu as vécu hier comme miracle, et Dieu était avec toi, ne pense pas qu'aujourd'hui, il est encore avec toi. C'est ce qui a trompé Josué. Josué est allé, ils ont vaincu Jéricho. Tabassé tous les gens de Jéricho, tué, brûlé tout. Quand ils sont venus, ils n'ont pas jugé utile d'aller voir Dieu pour dire, Seigneur, voici le rapport qui s'est passé, voici tout ce qui s'est passé. Dieu était silencieux. Vous savez, le silence de Dieu est révélateur. Ils n'ont rien dit à Dieu. Ils n'ont même pas consulté Dieu pour dire à Dieu demain, Seigneur, toi qui nous as donné la force, la capacité, la puissance, on s'en va attaquer, aïe. Donc si tu as des consignes à nous donner, donne-nous. Vous savez, j'ai dit le matin, quand tu viens consulter Dieu, ne viens pas avec des idées préconçues. Ne viens pas avec une idée arrêtée. Des gens viennent demander souvent conseil. Ils disent, ah pasteur, je suis venu prendre des conseils. Et autour. Bon, donc, ces derniers temps, je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à prier. Il y a des attaques quand je marche. Mais, pasteur, ce que j'ai compris, c'est l'esprit de sorcellerie. C'est l'esprit de sorcellerie. Et je sens qu'il y a des gens de ma famille qui, quand tu sais toutes ces choses, tu es venu faire quoi? Au fait, très souvent, c'est des orgueilleux qui font ça. C'est une manière de te dire, il te montre, mais lui-même, il a déjà la révélation. Mais quand tu fais ça, tu n'as pas ta raison d'être. Les gens, ils s'en vont consulter Dieu. Certainement que Josué allait devant l'âge pour dire, bon ben, Seigneur, donc si c'est midi là, tu n'as pas entendu nos cris, on est en train d'aller vers Aïe. Ils avaient leurs machettes, leurs haches, leurs fusils, toutes leurs armes, leurs couteaux. Ils avaient... Ça dit, tu as tout, quelqu'un te montre, il vient avec tout ça. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de ton avis. Il t'informe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des brebis comme ça. On a vécu des cas comme ça, des dizaines de cas. Où des gens viennent te dire, ah pasteur, je me marie le 15 novembre. Dis un bon. Mais est-ce qu'on est au courant? Il dit, bon, vraiment bon. Et c'est pour que vous puissiez bénir. Hein, pour que vous puissiez bénir. Sinon, mon mariage même c'est le 15. Et mon oncle a dit que pour pas qu'on va rejeter. Et je ne peux pas rejeter ça pour rien au monde. Il ne se soumet à personne. Lui qui est là, c'est un rebelle. Il va mal finir son foyer. Quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Quand c'est comme ça, j'ai dit au pasteur, laissez-le célébrer son mariage. C'est ce que je fais. Il est dans une volonté permissive. Mais nous ne sommes pas de cœur à lui. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il dit, Moïse, tu veux faire ça? Va, je ne serai pas avec toi. Il y a des choses, quand quelqu'un s'entête, on lui dit, il faut faire. Il dit, ah bon, je m'en vais au village, hein. Je m'en vais au village, bien, j'ai trouvé une entreprise là où vraiment c'est un bar où les gens sont dans les strings et autour. On dit, mais tu ne peux pas faire ça. Il dit, non, pasteur, c'est 350 000, ils vont me payer. Parce que moi, je vais là-bas, j'ai la parole dans mon cœur. Quelqu'un a porté string et que moi, je ne le regarde pas. Pasteur, quand même, tu nous as enseigné la parole de Dieu, papa. Tu nous as enseigné la parole de Dieu. Aller là quand même où les gens boivent les bières et tout ça étant. Moi, je suis une femme dans string et qu'elle est en train de faire que moi, je sais en qui j'ai cru. Laisse-le partir. J'ai fait ça à plusieurs. Il y a un ici qui taille les fleurs, il est mort comme un chien. Laissez-le. Il ne connaît pas Dieu et il ne connaît pas sa parole. Et souvent, ces petits rebelles qui n'ont pas d'éducation, ils ne prennent conseil pas auprès du berger, mais auprès des autres moutons comme eux. Le petit Samuel, pourquoi il a grandi et il est mort rassasié de jour? Il était petit, il était avec deux autres personnes dans la maison. C'était les enfants de qui? Délie le sacrificateur. Il y a un qui s'appelait quoi? Finé et puis Ophni. Bandit, têtu, rebelle. Des enfants ont la loi. En conflit avec la loi. Ils étaient dans le temple. Et puis, regardez, quand tu es bien élevé, que tu vas vivre longtemps et que tu vas réussir dans la vie, quand il a entendu une voix, il ne va pas demander à Ophni ni à Finé. Il est allé voir. Qui ça? Aidez-moi. Oh, le sacrificateur, lui-même, Dieu ne lui parle plus. Il peut appuyer ça. Malgré que Dieu ne lui parle plus, mais comme Dieu, quand il parle, il envoie sa voix à travers soit Dieu lui-même, ou soit un ange, ou soit un homme.
C'est pourquoi Dieu utilise la voix d'Élie, malgré qu'il soit faible. Mais Dieu utilise sa voix pour parler au petit. Et le petit dit, papa, tu m'as appelé. Il dit, il n'était pas appelé. Tu vois, si ça se répète, tu vois, il est vieux. Peut-être Dieu ne lui parle plus, mais il a l'expérience. Il dit, si ça, tu entends ça encore, vous venez me voir. Il dit, papa, la voix là est venue encore. Il dit, si la voix là fait répète, dit, parle, Seigneur, quand ton serviteur entend. On dit, lui, là, Dieu ne lui parle plus, hein, mais regarde la révélation qu'il a. Et petit, là, allait se coucher. La voix. Et pourquoi dans tout ça, même Dieu ne lui dit pas en même temps, c'est moi Dieu? Non, il y a des gens de destinée que Dieu met devant toi. On ne réussit pas seul. Dis, frère, comment? Il terrasse un monsieur, il s'appelle Saul. On va l'appeler Paul bientôt. Il le terrasse, il lui dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, mais maître, je fais comment? Il dit, c'est pas à moi, il te dit, rentre dans la ville. Il y a un monsieur là-bas qui va te parler. On a toujours besoin de quelqu'un. Je prie que ce soit ta portion. Je dis que quelqu'un te soit destiné. Il y a des gens, moi, Seigneur, je ne suis pas venu pour que quelqu'un me passe ce dimanche. Parle-moi toi-même, Seigneur. Samuel allait demander aux deux petits là. Non, il a demandé au papa. Papa lui a montré les secrets. Quand Dieu a parlé, Dieu est venu encore, lui a parlé. Il dit, oui, voilà, Samuel, c'est moi, l'Éternel. Et il lui a donné les consignes. Il lui a donné la parole. Tant que Samuel n'a pas dit parle, Dieu ne parle pas dans le vide. Ce n'est pas un perroquet. Tant que tu ne lui dis pas parle, Seigneur, j'écoute. Il y a des gens à qui Dieu ne parle pas parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter. Mais il dit de Jésus, à son baptême, j'ai expliqué à un pasteur tout à l'heure, à son baptême, qu'est-ce qu'il dit? Celui-ci, est-ce qu'il a besoin de dire ça? Surtout que l'enfant est né, on dit qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Ça dépend de ce que les gens disaient de lui dans le quartier. Lui là, c'est enfant bâtard. Lui là, dit c'est enfant de Joseph. Lui là, dit lui là, sa maman l'a eu dans son papa a failli le lapider même. Lui là même, son papa on connaît pas. Dieu le Père lui-même, c'est au baptême on donne le nom de son enfant. Et il dit c'est moi. Lui là, c'est mon fils. J'ai mis tout mon amour en lui. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il va se passer? Vas-y plus loin. Verset 5 à 10. Les gens d'Aï leur tuaient environ 36 hommes. Vas-y. Et il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim. Mais ouais, personne ne te résistera. Toi, Dieu, tu as dit petit là, que partout il ira, personne ne résistera à Josué. Voilà qu'on les poursuit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il a entendu la prophétie, l'homme de Dieu a dit, l'archevêque, il m'a dit de faire une offrande sacrificielle et j'ai fait l'offrande. Et quand j'ai fait l'offrande, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu, maintenant là où je suis, tout me réussira. Quel que soit Alpha, même si je suis Djandjou, tout me réussira. Tu es fou. Ça me fait pas rire. Il faut sortir de la voie du Seigneur, tu vas voir si la prophétie là, tu vas voir comment ça va prendre. C'est bon Dieu, Dieu ne renie pas sa parole. Il a dit c'est pourquoi Josué est venu se coucher, il pleure, on t'a fait quoi? Les gens m'ont renié ton nom. Toi, tu ne connais pas. Il croit qu'il y a des pleurs, tu pleures. Il y a des pleurs même quand tu es en train de faire là. On ne te console pas. D'expliquer ça là. Tu n'as pas vu Marthe et Marie? Hein? Marthe et Marie. Jésus va chez eux. Qui s'assoit à ses pieds là? Tanti Marie. Elle écoute la parole. Elle dit, Jésus, tu n'es pas seulement l'ami de mon frère. Mais j'ai demandé tout à l'heure à un pasteur. J'ai dit, mais quand tonton Jésus là, il va chez les. Parce que c'est une famille, on dirait ils sont enfermés. Il y a un garçon et puis il y a deux femmes. Toi, Jésus qui aime sainteté, tu ne te promets même pas à une femme. Normalement, si tu vas chez les deux femmes comme ça, leur frère doit être là. Hein? Hein? Tu vas t'asseoir au milieu des femmes. Bon Dieu. Donc, leur frère était où? C'est un mystère. La mort de Lazare, là, il faut comprendre.
C'est pas tout, on peut vous expliquer. Tu as ton ami, on dit maladie a commencé, et puis tu es encore là-bas. Il faut chercher à comprendre pourquoi Jésus fait comme ça. C'est quel ami qui est malade? Et on dit il est malade, toi. Mais lui-même là, il se dit ami de Jésus, mais est-ce que véritablement il croit au ministère de Jésus? Il ne croit pas. Je vais vous démontrer ça. C'est un incrédule, un faux ami. Vous savez, il y a des gens qui s'attachent à vous comme des amis, mais ils ne croient pas en toi. Sinon, ce sont ses sœurs qui envoyaient des gens pour aller dire à Jésus. La Bible dit que ses sœurs envoyaient des gens. On n'a pas dit Lazare lui-même. Toi, c'est ton ami. Il a déjà dit qu'il est la résurrection et la vie. Il guérit les gens. Il ressuscite les morts. Maladie commence. Dis à tes sœurs là. Moi-même, Lazare, j'en vous envoie. C'est ses deux sœurs. Et ces deux sœurs là, c'est Marie là qui a envoyé des gens. Parce que c'est Marie seule qui croit au ministère de Jésus. Parce que c'est elle qui s'assoit au pied. C'est elle qui a versé parfait de près de 500 000 francs sur la tête de Jésus. C'est elle seule. Il y a des gens qui peuvent te suivre, mais ils ne te croient pas. C'est pourquoi quand ils sont venus dire à Jésus que Lazare est malade, il dit laissez-le. Je vais aller là-bas, il ne me croit pas. On n'est jamais prophète chez soi. Il y a des gens qui te voient en caméra et disent bienvenue, on a grandi ensemble. Allons, mais bienvenue, Nawa. Ils te frappaient quand on était en cinquième et autour. Tu te souviens à cause de un spaghetti, j'étais gondolé là. Et quand tu vas dire, je suis pasteur, dis en bas, pasteur. Ah, ma soeur, fais un petit prière sur moi. Pasteur, il y a Covid, fais prière sur moi. Ils se moquent de toi. Ils ne te croient pas. Il y a des gens même dans ta propre maison, ta femme ou ton mari ou tes enfants, on dit tu es homme de Dieu, le monde entier parle de Dieu, ils ne te croient pas. Ils préfèrent que quelqu'un d'autre les consacre, quelqu'un d'autre prie pour eux, quelqu'un d'autre leur impose les mains. Je parle à quelqu'un. C'est son ami comme ça. C'est pourquoi dans sa maladie, Jésus dit laissez. Quand je lui disais que je suis résurrection et vie, je vais lui montrer ça. Bible là, c'est profond, hein? Le fait d'acheter Bible, ça ne veut pas dire que tu vas comprendre. Quand vous lisez le chapitre 11, là, quand ils sont arrivés, il y a l'autre qui est allé, qui s'est jeté à ses, qui s'est jeté. Elle a commencé mal. Ouah, acrobatie, blou. Lisez bien, Jésus ne s'est pas occupé. Marie est allée se jeter à ses pieds. C'est signe d'adoration. Dis, c'est toi. C'est à tes pieds là que j'ai appris que tu es la résurrection. C'est à tes pieds j'ai appris que tu guéris. C'est à tes pieds j'ai appris que toi, tu enlèves la maladie. Mon frère n'est plus malade, il est mort. Mais tu m'as dit, à tes pieds où j'étais assis, que toi, tu es la résurrection et la vie. C'est pour tout ça que mon parfum, j'ai gardé, j'ai versé sur toi. Ce n'est pas les acrobaties de Marthe qui ont fait pleurer Jésus. C'est les paroles de Marthe, de Marie. Dis tais-toi. Ton fils, ton frère va sortir. Termine rapidement. Et qu'est-ce qu'ils font? Il est parti à la descente. Ah, hein? Le peuple en fut consterné et perdit courage. Jésus déchira ses vêtements. C'est pas maintenant qu'il faut déchirer habit. Il y a des situations, quand ça arrive, c'est là que tu veux chercher à dire, Seigneur, je t'ai fait quoi? Pourquoi cette humiliation, Seigneur, cette débandade? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Seigneur, j'ai toujours cru en toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Dieu est resté, lisez tout le chapitre, Dieu était calme. Josué a raconté sa vie. Quand il a fini, à un certain moment, Dieu lui a dit, lève-toi, Josué. Lever. Il y a un problème au milieu de vous. Mais s'il y a un problème, quand ils partaient, pourquoi tu ne les as pas dit de ne pas partir? Mais est-ce que vous l'avez consulté? Il y a des gens qui s'en fait entreprise. On parle pas. Je connais des frères ici qui sont en... Non, les pasteurs, c'est la Bible, ils lisent. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas.
Il ne connaît pas comment on fait entreprise. Je vais créer une école, un groupe scolaire là. Et pasteur, je vais lui dire là, il va dire quoi? Bible, dit Bible. Non. C'est à ta paix, la paix de ta famille que tu es en train de dire ça. C'est à ta paix. C'est ce qui est arrivé aux gens qui étaient dans le bateau avec Paul. Paul leur a dit, mais je vous ai parlé, vous ne m'avez pas cru. Parce que vous dites, non, je ne suis pas un marin. Mais le Dieu à qui je parle me révèle tout. Donc les frères s'en vont entreprendre, non, moi, on ne va pas y aller dire au passé. Le passé même comprend quoi dedans. Le passé à quel niveau? Et puis on parle d'affaires, vraiment des chiffres, des temps. Le passé serait vrai. Parlons entre nous ici. Et ils s'en vont. C'est quand ils échouent. Il vient dire, ah, pasteur, on voulait t'expliquer un petit truc là. On avait commencé, bon, on n'a pas voulu, comme tu étais, et puis ils sont malhonnêtes. Comme tu étais beaucoup pris, que Dieu te pardonne. C'est de toi que je parle indirectement. Donc, Israël avec Josué, c'est fini, pasteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont allés combattre Aï. Sans consulter Dieu, sans consulter sa parole. Parce qu'il ne connaît. Parce que, vous voyez, la familiarité peut te tuer. C'est ce qui a créé des ennuis à qui? À même Lazare qui est mort là. C'est même familiarité là. Matt aussi. Quelqu'un vient chez vous. C'est vrai qu'un visiteur vient, on doit préparer pour lui donner. Mais au-delà de la nourriture que vous allez lui donner qui va périr, lui il vient avec la nourriture solide, spirituelle, qui vous donnera la vie éternelle. Donc, quand tu vois ta soeur assise à ses pieds en train d'apprendre, laisse repas là. Ce que tu es en train de manger aujourd'hui va déterminer ton futur. Il aura un temps où il aura la famine spirituelle dans le monde entier. Avec quoi tu vas subsister? C'est ça. Un temps viendra où il n'aura plus culte. Ils vont fermer les églises. Ce temps arrive. C'est pas au Seigneur. On lit ça. On ne lit pas. C'est écrit. La prophétie est en marche. On ne peut rien faire. Israël a fui. Israël a été pourchassé, maltraité, tué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en l'Éternel. Ils n'ont pas... Quand tu fais confiance, tu consultes. Ce n'est pas le mouton comme toi que tu consultes. Tu consultes Dieu. Tu consultes Dieu. Et tu vérifies si ce que tu as reçu est conforme à la parole écrite. C'est à ce prix-là que tu t'engages. Josué n'a pas fait ça. Et les prophéties, il s'est appuyé sur ça. Il dit, oh, je n'ai même pas besoin d'aller prier. Et c'est que Dieu m'a dit déjà, tout lieu foulera la plante de mes pieds. Est-ce que vous savez ça? Vous étiez là quand Dieu a dit ça, non? Cette prophétie demeure. Cette prophétie, ouais, mon pied là. Tu vois, quand je mets comme ça, André, ça tremble. André. L'onction est dedans, hein? L'onction. C'est ça, il est parti. Et on les a... La Bible dit pour la première fois, Israël fuit. Petit peuple! Que Dieu nous aide. Amen. Je dis que Dieu nous aide. Amen. Tu ne m'as pas compris. Je dis que Dieu nous aide. Amen. Que la honte ne soit pas ton partage. La confusion ne soit pas ton partage. Que l'humiliation. Mais pour que tout cela n'arrive pas, ce n'est pas de lier. C'est de changer d'attitude de cœur. De changer d'attitude de cœur. Est-ce que je vais expliquer dimanche avec l'histoire, le mystère d'Ézéchias? Dieu, il ne se contredit pas. Il dit, tu vas mourir. Le monsieur qui a prophétisé là, c'est un vieux. C'est un prophète major. C'est un voyant. Toutes ces prophéties, il n'y a pas une qui est tombée à terre. Tonton là, c'est lui qui a dit, il y a un petit va naître. Sa maman sera vierge, n'a jamais connu garçon. Il est le seul prophète qui a dit ça sur terre. Les gens lui ont dit, nous mais on est prophète, mais là où tu vas maintenant là, là, là. Et connaît, femme là ne va pas connaître garçon, puis va mettre au monde. C'est le seul, c'est un prophète major. Mais cette fois-ci, là, Dieu va le mélanger. C'est ça, on va voir dimanche. Il y a tant que Dieu ne t'a pas mélangé, tu ne vas pas t'abaisser. Tu fais confiance à ta chair, à ta beauté. Venez, on va prier pour que Dieu envoie un homme selon ton cœur. Tu dis, ma beauté ne ment pas à cause des produits éclaircissants. Qui à la fin vont te donner vergeture, qui sent.
Moi, je continue. En tout cas, le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ment tout ça, ne ment pas. Il y a des gens qui ont ça, plus long que pour toi, là. Ils ne sont pas encore mariés. Leur teint, on se met dedans, comme ça, sans produit. Et tu vois ça, je ne ris pas pour ça. Lève-toi. Et toi qui ris, tu crois qu'on est au cinéma? Pour éviter la honte et la confusion et la grande honte, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons connaître. Aide-moi, nous devons connaître. Et ça. Et pour connaître sa parole, il faut consulter Dieu. Et quand tu as consulté Dieu, ce que tu prétends avoir reçu là, il faut faire quoi? Il faut aller faire quoi? Vérifier ça par la parole écrite qui est irréversible. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens. J'ai dit à un frère il y a quelques semaines en arrière, la prophétie sur laquelle tu t'appuies là, tu ne sais pas qu'elle n'est plus d'actualité. Il y a des gens qui sont arrêtés. C'est comme il y a des endroits à Abidjan ici, bus passait. Mais tu ne sais pas que depuis 15 ans, bus ne passe plus là. Donc toi, tu viens du village, tu es arrêté là. On dit, tu attends quoi? Il attend le 22, le 22B. En notre temps, 75, 76, ça passait ici. Tu es vieux. Tu es fatigué. C'est un petit qui va venir. Tonton, vous cherchez quoi là? Dis, j'attends le 22B. Mais 22B depuis 80, ça ne passe plus ici. Mon peuple périt. Tu as vieilli là. Les bandits vont te tuer cadeau. Puis je passe plus là-haut. Il y a des choses sur lesquelles tu es assis là. Il y a longtemps, Dieu même a jeté ça. Ça ne va plus s'accomplir. Tu as accroché à ça. Je tiens à la prophétie. C'est tard. Attends là. Attends. Tu ne sais pas que tout le monde est parti. Dis frère, comment tu as vu ça? J'ai vécu des choses. Ce n'est pas d'enfer de mariage pour moi. Je suis allé au champ. Je suis allé au village. Autour. Étant, je suis allé au village. Je ne connaissais pas les principes du village. Mon père m'a dit ici, non, tu sais, si tu vas au village avec tes oncles, vous faites très attention. Je suis allé au village, mais mes cousins étaient très méchants envers moi. Très méchants. On est allé au champ. Et ils nous ont dit de travailler. On a travaillé. J'étais tellement fatigué que je suis allé me reposer. Je me suis couché. Vous savez, dans les champs, à partir de 16 heures, il commence à faire sombre. Mes cousins là m'ont laissé au champ. Et le champ avec notre village fait près de 5 kilomètres. Ils m'ont laissé au champ. Jusqu'aujourd'hui, mon oncle, qui est le petit frère de mon père, même père et tout, qui est le père de Marcel, parle de sang en coulant des larmes. Je me réveille, je ne sais pas où partir. Je ne sais pas. Mais j'ai compris, je crois à la prédestination. Frère, je serai mort là. Parce que vous réveillez dans le champ, tout est noir. Je ne sais pas quel chemin emprunter. Dieu qui m'a tant aimé, m'a conduit. Parce que du champ jusqu'à la voie, à la route, c'est près de 500 mètres. Tâtonner dans la brousse comme ça, jusqu'à déchirer par des lianes. Je suis arrivé sur la route. Quand je suis arrivé sur la route, il y a une force qui s'est emparée de moi. J'ai couru de là-bas jusqu'au village sans m'arrêter. Quand je suis arrivé, mes cousins m'ont dit, ça t'apprendra. Tu sais, ici au village, quand on va au champ, on ne dort pas. J'ai dit, mais comment je peux savoir? Regarde. Il y a des choses qui ont été arrêtées pour toi. Mais ces choses, tu ne sais pas qui t'ont abandonné.